Dans la vidéo précédente, j'ai eu l'occasion de te dire que je souhaitais commencer une série de vidéos autour de la question du canon biblique. Et il me paraissait intéressant de commencer celle-ci en t'expliquant comment j'en suis venu à m'intéresser à cette question. En fait, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans ma présentation, je suis issu d'un milieu fondamentaliste, protestant fondamentaliste. C'est-à-dire que tout petit, on m'a tout de suite appris que la Bible était la parole de Dieu, l'autorité suprême sur toutes les questions de foi, et que cette Bible était composée de 66 livres. Et on m'a toujours présenté cela comme une évidence, même s'il est vrai qu'on m'a aussi dit que plus tard, au XVIe siècle, les catholiques avaient rajouté quelques livres supplémentaires, que l'on appelle des livres apocryphes, mais qu'il fallait absolument rejeter tous ces livres. Or, au cours de mes études d'histoire, quand j'ai commencé à lire les Pères de l'Église, je me suis rendu compte qu'eux-mêmes citaient ces fameux livres qu'on appelait apocryphes et qu'ils les considéraient visiblement comme faisant partie de la Bible. Clément de Rome, par exemple, dans son épître aux Corinthiens, prend comme exemple Esther et Judith, qu'il met au même niveau. Or, Clément de Rome était le responsable de cette église à la fin du 1er siècle et un disciple direct des apôtres. Donc, en constatant cela, j'ai commencé à être un peu interpellé par cette question et j'ai commencé à m'y intéresser. Et plus je lisais les Pères de l'Église, plus je me rendais compte que cette question du canon biblique était beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Parallèlement, j'ai commencé à réfléchir sur un deuxième sujet qui était plus une question de logique. En effet, dans le protestantisme, théoriquement, toutes les doctrines sont appuyées sur la Bible. Or, il y avait ici un problème puisque la Bible elle-même ne se définissait pas. Pour dire les choses autrement, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit, par exemple, que la Bible doit contenir 66 livres. Pourtant, la plupart des confessions, ou du moins beaucoup de confessions de foi protestantes, contiennent cette affirmation doctrinale. La Bible doit ou est composée de 66 livres. Alors même que cette affirmation n'a aucun appui scripturaire direct. Je ne suis pas bien sûr le premier à m'être posé cette question. En fait, en 1978, il y a eu une importante conférence à Chicago qui réunissait de nombreux théologiens protestants conservateurs. Et cette conférence a débouché sur ce qu'on a appelé la déclaration de Chicago sur l'inhérence biblique. Et donc cette déclaration est très importante et elle fait vraiment autorité dans les milieux fondamentalistes. Elle aborde toutes sortes de questions concernant la Bible, son inspiration, son autorité, etc. Mais elle passe complètement sous silence la question du canon biblique. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'un des participants à cette conférence, R.C. Sproul, qui est un théologien protestant très connu, a écrit un petit livre que vous pouvez d'ailleurs trouver gratuitement sur Kindle et qui s'appelle « Can I Trust the Bible ?». Et dans ce petit livre, il parle en fait un peu des coulisses de cette conférence. Il explique notamment que la question du canon avait été débattue, mais que les théologiens étaient parvenus à la conclusion que, en tant que protestants, si on voulait être cohérent avec la doctrine du sola scriptura, donc l'écriture seule, il n'était pas possible, dans une confession de foi, de donner une liste précise des livres bibliques. Dit autrement, il reconnaissait que cette habitude d'avoir 66 livres dans les Bibles protestantes était simplement une tradition protestante, mais qu'elle n'avait pas d'appui biblique solide et direct. Alors, habituellement, les protestants contournent un peu cette difficulté en faisant appel à l'histoire. Et en fait, les chrétiens sont à peu près tous d'accord sur les 27 livres du Nouveau Testament, et c'est surtout la question des livres de l'Ancien Testament qui pose problème. Et donc, pour résoudre un peu cette question, beaucoup de protestants ont tendance à dire qu'en fait, le canon juif était déjà clos à l'époque de Jésus et que l'Église n'a fait que reprendre ce canon. Et effectivement, le canon protestant actuel, pour arriver à 66 livres, en fait, reprend le canon juif. Mais en fait, cette explication, qui pourrait paraître simple et efficace, est en fait doublement fausse. Premièrement, parler de canon juif à l'époque de Jésus est anachronique. En effet, il existait différents groupes judéens,
par exemple les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, etc. Et chaque groupe avait son propre canon. Donc déjà, il n'y avait pas un canon juif. Au mieux, ce qu'on appelle le canon juif était en fait le canon pharisien. Mais en réalité, et c'est le deuxième point, cela n'est même pas totalement vrai, puisque lorsqu'on étudie les écrits rabbiniques, on se rend compte qu'à l'époque de Jésus, les pharisiens eux-mêmes n'étaient pas encore entièrement d'accord sur la question du canon. Donc voilà un peu les données du problème. Et dans cette série de vidéos que je commence, j'aimerais en fait tout simplement partager avec toi mes travaux sur cette question. Alors cette série de vidéos aura deux volets, un aspect historique et un aspect théologique. Le but de la partie historique sera de voir quels livres les croyants de l'Antiquité considéraient comme bibliques. Et quand je parle des croyants, je parle aussi bien des Judéens que des Juifs que des chrétiens. C'est-à-dire que je te présenterai des textes des pères de l'Église, mais aussi de Philon d'Alexandrie, de Flavius Joseph et du Talmud. Et pour ce qui est de la partie théologique, je te proposerai quelques réflexions concernant la délimitation du canon et j'expliquerai aussi pourquoi maintenant, de mon côté, je préfère un canon un peu plus large. Voilà, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.